Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Attention, Dieu est recueilli pour tous ceux de nos amis, de nos compagnons, de nos parents qui, à l'occasion de notre désir enflammé d'expression libre dans cette nation de Côte d'Ivoire, et nous qui nous sommes opposés à ce fallacieux troisième mandat, ont perdu la vie, malheureusement, parce qu'ils ont voulu être simplement des citoyens. Hommage et grandeur à tous ceux qui ont rendu l'âme pour nous ouvrir le chemin, parce qu'ils l'ont ouvert et nous gagnerons. Merci. Merci, Monsieur Niaba, porte-parole de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Oui, mesdames et messieurs, honorables invités, Son Excellence Monsieur Soro Diom est soutenu par plusieurs personnalités et des élus. C'est pourquoi nous voudrons saluer la présence de Monsieur Ouattara Kaouli, député maire de Ferke. Également, M. Kamileto du Bunkami qui est avec nous, je voudrais encore une fois lui dire merci. Également, M. Sekongo Pélemon, suppléant de l'honorable Kaniki Soro Mamadou, président fondateur du RACI, également incarcéré à la Maca. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au cours de cette cérémonie, nous aurons à remercier les différentes personnalités au fur et à mesure. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, honorables invités, nous allons recevoir à ce pupitre M. Koulibaly Sié, porte-parole de CMAGKS, composé de 28 mouvements, proche du président John Motikafoli Soro. Merci. Mesdames et messieurs, que dis-je ? Mesdames et messieurs, que dis-je ? Distingués invités, mesdames et messieurs, responsables des partis politiques, proches du leader générationnel, Son Excellence Diom Kikafori Soro, chers frères et sœurs des mouvements et associations, toutes tendances confondues, proches du leader générationnel, le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Diom Kikafori Soro. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis des associations et mouvements nationaux ici présents, je voudrais, au nom du combat à l'université, saluer mon général Aïpo Martial. Je souhaite la bienvenue à cette grande messe d'investiture du candidat, Son Excellence Diom Kikafori Soro. Cette convention d'investiture a un thème bien à propos. Diom Soro pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère.
mesdames et messieurs, le peuple ivoirien a choisi. La nouvelle génération a décidé. Guillaume Kimbafori Soro, le leader générationnel, sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Une équipe d'Ivoiriens du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, autour d'un programme axé sur le pardon et la réconciliation. Le parcours sans équivoque des citoyens ivoiriens candidat à l'élection présidentielle, Soro Kimbafori Guillaume, est prémonitoire et très éloquent sur la question de la réconciliation et du pardon. Voyons ensemble. La réconciliation dans son parcours scolaire et universitaire. Oui. Né dans le nord de la Côte d'Ivoire, il fit ses études primaires dans la région septentrionale de son pays où travaillait son géniteur. Il fit son second cycle dans le centre du pays, précisément à Boaké, au lycée classique où il obtient son bac. Les études supérieures l'ont amené dans le sud du pays à l'université d'Abidjan. La réconciliation dans son parcours matrimonial. Fils, digne fils de Ferke, monsieur le maire ne peut pas dire le contraire. Dans le nord du pays, il épouse une fille du centre-ouest de ce pays. Merci, maman. Oui, la réconciliation dans ses actes et dans sa vision politique. Guillaume Kimbafori Soro est pour notre pays le seul homme politique à démontrer la main sur le cœur dans ses prises de parole, dans ses actes, qu'il est un adepte du pardon vrai, de la réconciliation et du vrai vivre ensemble. Il dit, et je cite, aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, a plus besoin de pardon et de réconciliation. Je vais demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire. Et à ce peuple, qui a souffert, je demande pardon à mes aînés. Fin de citation. Oui, oui, frère Soroïs. Oui, ami Soroïs. Oui, pour le pardon, il n'a pas attendu de quitter la gestion de l'État.